وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala d'essayer de lire ensemble et d'expliquer ensemble, de s'asseoir dans ces assises où on explique les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons tenté d'expliquer la dernière fois Sourate Al-Alaq. Aujourd'hui, nous continuons, inshallah, dans l'ordre décroissant. A'udhu minash shaitan rajim, bismillahir rahmanir rahim, wat-tini waz-zaytun, wa turi sinin, wa hadha al-balad al-amin, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سورة التين سين سورة مكية. الله تبارك وتعالى دي والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. واو إسي الواو avec lequel Allah Ta'ala commence, c'est Wawul Qasam. C'est-à-dire, il jure, subhanahu wa ta'ala. Il jure par quatre parmi ses créatures, et il n'est permis qu'à Allah Tabarak wa Ta'ala de jurer par ses créatures. Il n'est pas permis à une créature de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Tabarak wa Ta'ala jure par le figuier et l'olivier. Wa Turi Sinin, c'est le mont Sinaï. Wa hadha al-baladi al-amin. Et par cette cité qui est sûre, c'est Mecca. Donc Allah tabarak wa ta'ala, quand il a juré par le figuier, wat-tin, waz-zaytoun, il y a beaucoup de bienfaits dans ces deux fruits. Car Allah tabarak wa ta'ala, en parlant de l'olivier, il a dit que c'était un arbre béni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de l'huile d'olive, il a dit que c'était une huile bénie. Donc il y a la baraka dedans. En fait, en jurant par ces deux fruits ou par ces deux fruitiers, il veut parler du pays où beaucoup, où ces fruits poussent beaucoup, qui est la Palestine. Quand il parle wa turi sinin, c'est le mont Sina. Et hadha al-baladi al-amin, on a dit cette cité sûre, c'est Mecca. Pourquoi Allah tabarak wa ta'ala a juré ici par ces trois endroits-là? La Palestine, le mont Sinaï et la Mecque. Car ces trois endroits où il y a eu la prophétie et la révélation qui sont descendus. La Palestine, il y a eu beaucoup de prophètes de Bani Israël, dont le dernier était Isa, alayhi salat wa salam. Pour ici, Sinin, le mont Sinaï, c'est là où la révélation est venue à Moussa, alayhi salat wa salam. Wa hadha al-baladi al-amin, et la cité sûre qui est Mecca, c'est l'endroit où Allah Ta'ala il a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà pourquoi Allah Ta'ala a cité ici ces trois lieux, c'est des lieux où
il y a eu des grands événements, car il y a eu la révélation qui a été donnée aux meilleurs parmi ces hommes, qui sont les prophètes, alayhim salatu wassalam. Quand Allah tabaraka wa ta'ala a juré pour toi par tout cela, sur quoi il a juré? Donc il dit wat-tini waz-zaytoun wa tur-sinin. Quand par exemple un homme, quelqu'un, il jure. Après il jure pas comme ça, il jure pour dire quelque chose. Wa hadha al-balad al-amin laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Ici, il y a trois mu'akkidat, trois choses qui sont venues affirmer la chose pour laquelle il a juré. Premièrement, le fait qu'Allah il est juré. Deuxièmement, le lam de ta'kid, la bil fath, pas la et qad li ta'kid li tahqiq, que cette chose elle est sûre. Donc c'est comme si Allah Ta'ala te dit wallah, il te jure par toutes ces choses-là, puis par certitude, certainement, l'être humain, il a été créé, ou l'homme a été créé, fi ahsani taqwim, dans la forme la plus parfaite. L'être humain, Allah tabaraka wa ta'ala l'a honoré. Allah tabaraka wa ta'ala dit, nous avons certes honoré le fils d'Adam. La meilleure créature d'Allah sur terre, comment elle a été créée, dans sa création parfaite, que ce soit sa création visible, ou comment Allah il a créé en lui son âme, ses sentiments, son cœur, sa raison, son intelligence. La création la plus parfaite parmi les créatures qui sont sur terre, c'est l'homme. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il l'a créé de la meilleure des manières, sous la meilleure des formes, meilleure création. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, وَسَخَّرَ لَهُ subhanahu wa ta'ala, il lui a soumis toutes choses sur terre. Il lui a soumis les animaux, les vents qui travaillent pour l'être humain, il lui a soumis les mers, toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Il y a des animaux qui ont beaucoup plus de force que plusieurs êtres humains réunis. Mais Allah ta'ala, il a fait qu'ils sont soumis, en fin de compte, ils sont soumis à l'homme. Dans la chaîne, comment Allah Ta'ala elle a fait la vie, comme ils disent, la chaîne alimentaire, et comment les choses elles sont organisées, en fin de compte, celui qui profite de tout ça, c'est qui? C'est l'être humain. En finalité, le grand, il mange le petit, l'autre, il mange celui-ci, l'autre, il protège cela, sans telle bestiole, l'autre bestiole ne peut pas exister, pour qu'en finalité, tout ça, ça fasse un équilibre pour que l'être humain puisse profiter de cette terre-là. Il en profite pour ses constructions, il en profite pour ses déplacements, il en profite pour manger, il en profite pour se soigner, il en profite pour tout. Enfin, Allah tabaraka wa ta'ala, il a juré par tous ces endroits qui ont eu des événements énormes, qui sont les événements les plus importants, c'est où Allah ta'ala, elle a choisi des gens pour leur donner la révélation, que l'être humain, il a été créé sous la meilleure des formes. On voit qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné tout ce dont il a besoin extérieurement et intérieurement. Des yeux, des mains équilibrées. Il marche sur deux jambes. Il peut se tenir debout. Il voit avec ses yeux. Il touche. Il a des sens. Il sent. Il peut goûter. Il peut voir. Subhanallah. Yani, tu ne peux pas trouver plus parfait que cela pour cette terre-là. Et il lui a donné tous les bienfaits apparents et caché. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il cite dans le Coran combien de bienfaits qu'il a donné à l'être humain. Il lui a soumis les animaux, les vents, les mers, etc. Il lui a même des anges qui sont à son service. Les anges qui sont des êtres qui ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, il les a mis certains à notre service. Et avant cela, Allah ta'ala, il avait honoré l'être humain en ordonnant aux anges de se prosterner comme signe de salutation, de respect pour Adam, alayhi salatu wa salam, notre père. Non. Donc tous ces bienfaits-là, l'être humain, s'il est reconnaissant, s'il les utilise comme il se doit, il restera parmi ceux dont Allah tabaraka wa ta'ala a dit qu'il les a créés sous la meilleure des formes. Il les a élevés. La manière d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous donne des bienfaits, c'est qu'il utilise premièrement ces bienfaits-là comme Allah lui a ordonné. Si Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné la santé, alors cette santé-là, il l'utilise dans l'obéissance d'Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la force, cette force-là, il ne l'utilise pas pour opprimer les gens, mais il l'utilise pour aider les gens. Si Allah lui a donné de l'argent, cet argent-là, il l'utilise dans l'obéissance d'Allah pour lier les liens de parenté, pour aider les pauvres, pour dépenser dans les voies du bien, etc.
Par contre, s'il utilise tout cela dans les mauvais sens et dans le mal, en vérité, il n'aura pas été reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour être reconnaissant envers Allah, la première des choses, c'est reconnaître dans son cœur que ses bienfaits viennent d'Allah seul et de le remercier avec la langue et avec les actes. Subhanahu wa ta'ala. ثم رددناه أسفل سافلين. Ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Et ça, ça peut être compris de deux sens. Dans le sens, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, quand une personne, elle vieillit, elle prend de l'âge, au début, il grandit, il est en pleine forme, il est à l'apogée de sa forme, à la fleur de l'âge, n'est-ce pas? Puis quand il vieillit, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, puis il retourne à l'état, à l'âge le plus avilissant. C'est-à-dire quand une personne, subhanallah, à bout d'un moment, elle vieillit, elle perd ses forces, elle commence à ne plus être en forme, elle perd sa mémoire. Donc, ça, c'est un sens parmi les sens de ce verset. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Puis, donc, il est en pleine fleur de l'âge, pleine force, puis il retourne à l'état de faiblesse quand il vieillit. Jusqu'au point où il ne sait plus rien. Il perd la mémoire. Jusqu'au point où il n'a plus de force. Jusqu'au point où il doit être assisté comme un enfant. N'est-ce pas? Ça, c'est un sens. Le deuxième sens, c'est qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, quand il dit « لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ » Nous l'avons créé sous la meilleure des formes. C'est-à-dire qu'il l'a créé sur la fitra, sur la saine nature, sur le iman. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tous les fils d'Adam naissent sur la fitra. Mais après, ses parents, ils le rendent juif ou chrétien ou zoroastrien, adorateur du feu. Donc quand quelqu'un il reste sur la fitra, il est fait ahsani taqwim. Il est sous sa meilleure des formes. Mais quand il pervertit cette fitra, cette saine nature, par le shirk, par le kufr, par tout cela, alors il suit ses passions, il suit l'égarement. Et comme il est venu dans le Coran, que les mécréants et ceux qui n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala et qui donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne croient pas en l'islam, comme Allah ta'ala a dit, qu'ils sont comme des animaux, mais ils sont encore plus égarés que des animaux. Non. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit, sauf, il a excepté une partie des êtres humains, qui sont-ils? Ceux qui ont la foi. C'est-à-dire cette foi, elle est ancrée dans leur cœur et qu'ils la prononcent avec leur langue. Et qui la pratiquent avec leurs membres. Et qui font les bonnes actions. Car agir, ça fait partie de la foi. Et plus on fait de bonnes actions, plus la foi elle augmente. Et plus la foi elle est protégée. Alors ils auront une récompense jamais interrompue. Ghayru mamnoun. Mamnoun, on peut le comprendre aussi dans deux sens en arabe. Ghayru mamnoun et ghayr maqtoa. Non interrompu. Ou غير ممنون اي لا يمن على هذا الفضل الذي سيعطى لا نمنه عليه. C'est-à-dire on va pas lui faire des reproches, lui dire ah je t'ai donné, ah je t'ai fait, ah je t'ai kada. Allah Ta'ala il te donne, après il te reproche pas qu'il t'a pas donné, qu'il t'a pas fait. Donc on peut le comprendre dans un sens, c'est non interrompu, c'est que cette personne là alhamdoulillah, le croyant, Allah Ta'ala lui interrompt pas sa récompense, car au paradis la récompense elle est éternelle, elle ne s'interrompt pas. Est-ce que la personne qui entre au paradis, est-ce qu'il en sortira un jour? Non, alhamdulillah. Tous ceux qui entrent au paradis, ils n'en sortiront plus jamais. Donc cette récompense, elle est éternelle. Et aussi, on ne te fera pas de... Par exemple, une personne, elle t'a donné, elle t'a aidé, à chaque fois qu'il te voit, ah, tu te souviens, je t'ai donné. Hein. Ah, tu te souviens, tu étais en difficulté. Qui t'a aidé quand tu étais en difficulté? C'est moi. Hein. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, oh, vous qui croyez, n'annulez pas vos aumônes par... Le fait de se vanter et voilà, par le fait de rappeler les bienfaits que vous avez donnés à quelqu'un et la vexation. Ça annule tes dons. Si tu as aidé quelqu'un, tu lui rappelles, ça c'est une manière d'annuler ce que tu as fait. Tu l'as fait pour Allah, pourquoi tu le rappelles? Et nous aussi par les vexations, tu le vexes, ça c'est encore pire. Enfin, la personne, alhamdulillah, qu'Allah Ta'ala va récompenser, il n'aura pas tout cela. Allah Ta'ala, il ne va pas lui faire des rappels dans le sens comme si c'était un blâme. C'est-à-dire qu'il se sente gêné, la personne. Vous comprenez? فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. Donc, alors, ils auront une récompense non interrompue. Et les récompenses
du paradis, elles sont nombreuses et ce sont des récompenses éternelles qu'Allah nous fasse parmi les habitants du Firdaws al-A'la. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les personnes quand ils entreront au paradis, une personne appellera qui dira, il vous appartient désormais de vivre et de ne plus jamais mourir. Il vous appartient désormais d'être jeune et de ne plus jamais vieillir. Il vous appartient désormais d'être en bonne santé et de ne plus jamais tomber malade. Il vous appartient désormais d'être heureux et de ne plus jamais être misérable. Juste pour ces quatre choses-là, sans compter les bienfaits du paradis qui sont indescriptibles et inimaginables. Ce que nul œil n'a jamais vu, nulle oreille n'a jamais entendu, nul cœur humain n'a jamais imaginé. Tes plus belles imaginations, wallahi, tu ne peux pas imaginer le paradis. Les fleuves, les bienfaits, les palais, les servants. Allahu Akbar. Qu'est-ce que c'est que ce bas monde qui n'a pas la valeur d'une aile de moustique? Si elle avait la valeur d'une aile de moustique, Allah tabaraka ta'ala, il n'aurait pas donné à boire à un kafir. Ces quatre choses seulement que toute personne au paradis va entendre. Il vous appartient désormais de vivre, de ne plus jamais mourir. Quelqu'un n'a plus peur de mourir. Il n'a plus peur de tomber malade. Il n'a plus peur de vieillir. Et il n'a plus peur d'être triste. Une de ces choses-là ici dans ce monde, il y a des gens qui seraient prêts à tuer l'humanité et à donner des milliards pour atteindre une seule parmi ces quatre choses-là. Et ils ne l'atteindront pas. Et ils ne l'atteindront pas. Sauf avec l'Iman, en entrant au paradis. Donc comment, subhanallah, on peut se faire tromper par ce bas monde et par ces illusions d'oublier notre vraie demeure. Car il n'y a que deux demeures dans l'au-delà. Le paradis ou l'enfer. Pas une troisième. Tu veux être parmi les gens du paradis? Le chemin, il est tracé. Il est éclairé. Il est détaillé. Il n'y a plus qu'à suivre. Il n'y a rien à faire. T'as pas besoin de chercher. C'est pas secret. C'est pas caché. Il est clair et éclairci et tracé et détaillé. Il faut juste se mettre dedans. Tu veux pas? C'est une autre histoire. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Allah Ta'ala, il dit donc, après cela, après tous ces bienfaits qu'on a donnés à l'être humain, qu'on l'a créé de la meilleure des formes, qu'on lui a préparé une récompense non interrompue, un paradis éternel. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge الدين? الدين, les ulama aussi, ils ont dit, ça peut être din et yom din, le jour de la résurrection, ou bien din la religion, en général. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'empêche maintenant de mettre en pratique cette religion, et de mettre en pratique ses ordres et ses lois, et de suivre sa voie, après qu'Allah t'ait donné tous les bienfaits, qu'il t'a créé sous la meilleure des formes, qu'il t'ait soumis toutes ses créatures, qu'il t'ait donné l'intelligence, qu'il t'ait permis d'avoir l'iman? Qu'est-ce que tu veux de plus? Qui t'a préparé une récompense non interrompue éternelle. Qu'est-ce qui t'empêche maintenant, après tout cela? فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Allah n'est-il pas le plus sage des juges? En arabe, dans la langue arabe, Allah Ta'ala, quand il pose une question, c'est pour dire que oui, effectivement. Et ça existe dans la langue arabe. C'est encore plus profond et plus affirmatif pour affirmer une chose, de le faire sous forme de question plutôt que dire « ça va être comme ça ». Si tu dis « n'est-ce pas que c'est comme ça ?» c'est encore pire que si tu avais dit « ce sera comme ça ». C'est pour appuyer encore plus dans la langue arabe. Wadih. Ahkam, Allah Ta'ala, c'est lui le plus grand des juges. C'est sa loi qui est sur la loi, qui prévaut sur la voie de tout le monde. Wal ahkam, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a le plus de sagesse. Et c'est dans ces lois et dans ces prescriptions qui sont empreintes et qui ont le plus de sagesse, subhanahu wa ta'ala. Donc, ahkam, c'est dans le même sens, dans les deux sens. Et subhanallah, regardez, en arabe, ça a la même racine. Le hukm ou le hikma. En arabe, le hukm, ça veut dire la loi, la règle. Et le hikma, c'est la sagesse. Et regardez, ils ont la même racine. Pourquoi? Parce que toutes les lois d'Allah, elles sont empreintes de sagesse. Il n'y a pas une loi qui n'est pas sage.
toute loi d'Allah qui vient de Ahkam al-Hakimin, du plus sage des juges et des sages, subhanahu wa ta'ala. Le plus connaisseur et le plus meilleur juge, subhanahu wa ta'ala. Ces lois sont les lois de justice et les lois les plus sages. Naam. Voilà ce qu'on peut dire en résumé sur cette sourate. Est-ce que le fait de dire bala à la fin de cette sourate, non, ça n'a aucun fondement dans la sharia. Il n'y a rien dans la sunna qui dit qu'après avoir dit cette sourate, on dit bala. On ne dit rien, on n'a rien à dire après cette sourate. Bala, c'est-à-dire certes oui. Certains, ils font cela, ils pensent que c'est une sunna de dire bala en réponse à ce que Allah Ta'ala a dit. Quand Allah dit, alaysallahu bi ahkamil hakimin, est-ce que Allah n'est pas le plus sage des sages ou le plus sage des juges, alors d'y répondre oui, certes oui. Non, il n'y a rien qui prouve cela dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Naam. Le frère demande, cette cité sûre, Allah Ta'ala, il parle de la Mecque, qu'est-ce qu'elle a de sûr? Elle a plusieurs points sur lesquels elle est sécurisée. Premièrement, la personne, elle est sécurisée dans sa foi. C'est l'endroit où la foi, elle est en sécurité. Deuxièmement, c'est l'endroit qui est préservé. Allah Ta'ala, elle a mis aux portes de la Mecque des anges pour préserver Dajjal de rentrer dans la Mecque. Troisièmement, elle est sécurisée. C'est-à-dire, les péchés à la Mecque sont plus grands. Ils sont pas multipliés dans le nombre, mais sont plus grands dans la gravité. Et plusieurs règles aussi spécifiques à la Mecque. On n'a pas le droit de couper ses arbres. On n'a pas le droit de chasser, etc. Donc, il y a des règles spécifiques à la Mecque que même les animaux et même les arbres, ils sont en sécurité. Et il faut savoir que avant dans le Jahiliya, dans l'époque pré-islamique, tellement ils connaissaient la valeur de la Mecque et l'importance de la Mecque, ils donnaient de la sacralité à la Mecque, à Mecca, que même la personne qui rencontrait dans le haram, dans les limites sacrées, le tueur de son père, il lui faisait rien, jusqu'à qu'il sorte des limites sacrées. Donc, c'est dans ce sens-là, la cité qui est en sécurité. Et encore d'autres sens qui viennent dans ce sens, Inch'Allah.